Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre du collectif 21, du côté de la Reine. Et ici, on a un merveilleux cassis, très très beau, de faire 1,5 m certain. On voit que la pollinisation est en cours ou à l'achève. Super beau. Et puis, ben, il est dans un côté qui n'a pas été entretenu. Il y en a d'autres cassissiers juste là. Il y en a un là, un là, un là. Bon. Ils n'ont pas eu beaucoup d'amour, ces arbres-là. Fait que, cette année, on va leur en donner. Fait que, ça, c'est la même chose quand je vois un petit arbre sur un terrain là, avec du gazon tout le tour. C'est le même principe. La façon paresseuse de la faire, mais qui donne des super bons résultats, c'est la suivante. Premièrement, là, on couche toutes les feuilles vers l'extérieur. Lui, c'est le cassissier. On va le laisser là. On couche tout, on penche le plus possible comme ça. Oui, vous laissez ça, je le penche comme ça. Après ça, je m'en viens avec un carton. Le plus collé possible quand on voit la base de l'arbuste juste là, là. Je m'en viens le plus collé possible. Idéalement, même, je boucherais ce trou-là. Là. OK? Fait qu'on fait ça. On en met quelques épaisseurs entrecroisées. S'il reste ne serait-ce qu'une petite ouverture quelque part, tu sais, comme ici, ça, c'est assez pour qu'une mauvaise herbe ou une indésirable se faufile puis pousse. Fait qu'il faut vraiment en mettre plusieurs épaisseurs. Puis un des bons moyens là, pour que ça tienne puis que ça soit stable, c'est d'arroser chaque épaisseur de carton au fur et à mesure qu'on les met. Bon, fait que ça, on fait ça tout le tour. Fait que ça pourrait être un pommier, ça pourrait être n'importe quoi, là. Mais s'il y a du gazon, tout le tour. Puis après ça, on prend du copeau de bois, du BRF, on l'étend. Ça fait un super bel job, t'sais. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que ce qu'on a laissé en dessous ne pourra pas pousser parce qu'il va y avoir plusieurs épaisseurs de carton. Là, je n'ai juste mis une, mais dans la vraie vie, il va y en avoir plusieurs. Là. C'est juste pour la vidéo. Tout ce qui est en dessous va servir à nourrir les vers, puis à nourrir les bactéries, puis tout ça, va servir à engraisser le sol. Fait qu'on fait d'une pierre deux coups. Dans un premier coup, on élimine la compétition. Parce qu'on voit que le gadelier est de la compétition tout le tour pour ses racines superficielles, là. Puis pour l'eau, puis tout ça. Fait qu'on élimine la compétition du gadelier. Puis, en même temps, tout ce qui est en dessous du carton va pourrir, va contribuer à enrichir le sol. Puis, un autre bénéfice, c'est que quand le sol va être mouillé, à un moment donné, il va pleuvoir. Là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, mais à un moment donné, il va pleuvoir. Quand tout ça va être mouillé, ça va rester une belle humidité parce que ça va conserver l'humidité au pied de l'arbre. Donc, ça va garder le sol frais. Ça, c'est un gros avantage. Fait qu'on élimine la compétition des racines. On engraisse le sol. Ça va pourrir. On va garder l'humidité. On rajoute de la vie bactérienne puis microbienne partout, puis des champignons partout aux alentours. Fait que cet arbuste-là va se mettre à avoir une plus grande vigueur. Il est déjà beau, mais il va être encore plus beau. Puis ça va être plus facile à entretenir aussi. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, mettons, si ça, c'est un pommier, en faisant le gazon, souvent, ben, la tondeuse accroche un peu, ça blesse l'arbre. Puis ça, c'est des blessures qui sont graves pour un arbre. Si c'est un pommier, ben, même pour ça aussi, mais pour un arbre, là, quand il y a une blessure au tronc, ben, ça coupe la sève qui monte. Là, fait que, au moins pour ça. Fait que, quand le tour est fait, ben, l'arbre est mort. Puis quand à toutes les fois qu'on fait une blessure, ben c'est une porte d'entrée aux maladies, aux champignons, aux bactéries, à tout ce que vous voulez. Fait que ça, c'est la façon la plus paresseuse que j'ai trouvée d'entretenir puis qu'un arbre soit en santé avec le minimum d'effort. Fait que, en dessous même, on aurait pu mettre un peu de compost si on avait voulu. Ou un peu de fumier en dessous des deux cartons, ou des trois cartons, idéalement trois cartons. On aurait pu mettre du fumier, du compost, après ça, des cartons entre chaque couche, tout entrecroisé, entre chaque couche, on arrose. À la fin, on met du beau copeau de bois. Puis ça, là, c'est du copeau, là,
n'est pas teint, là. C'est du copeau comme ça vient de l'émondeur. La ville vient nous en livrer là, des gros trocs, là. Vous voyez comment ça, de quoi ça a l'air. Il y en a partout sur la terre, là. La ville vient nous en livrer, mais si vous demandez aux émondeurs, ils vont vous le livrer gratis. Moi, je le donne un type de 20$. Puis, tu sais, quand, moi, je flague un émondeur quand il passe dans le coin chez nous. Puis, ils sont bien contents de m'aider, là. Fait que, puis, je donne 20$ de type à la personne qui est là. Puis, ben, moi, ça supprime les mauvaises herbes pendant un an ou deux. Puis, ça engraisse, puis tout ça. Fait que, tu sais, on va avoir plein de beaux cassis ici. Au collectif 21, c'est un petit peu plus tard cet été. Merci à tout le monde, au revoir.